C'est un accueil très chaleureux. Je te dirais que je me sentais en confiance dès le premier contact avec l'équipe. Ils sont très gentils, très dynamiques et puis très professionnels. Beaucoup d'humanité dans leurs gestes, dans leurs paroles. Énormément de délicatesse dans leurs gestes aussi. Chose qui est très importante pour une femme enceinte. Le premier capteur que je mets, c'est pour le cœur du bébé. Okay. On entend bien. Maintenant que j'ai mis ton moniteur pour qu'on peut surveiller le cœur du bébé, je vais aller chercher ton médecin. OK? OK, merci. Je reviens, ça sera pas long. Merci. Je m'attends à tout ce qui est de mieux et je reçois juste ce qui est de mieux pour moi en ce moment. Bonjour Sandos. Bonjour docteur. Ça va? Ça va. Ça va? T'as commencé à quelle heure tes contractions? J'ai commencé à 3h du matin. Ça fait mal? Ça fait très mal. Est-ce que ça pourrait te convenir? Ok, donc si je comprends bien, avec ce monitoring, je peux marcher, vous allez surveiller mes contractions, le cœur du bébé, si tout va bien? Oui. Avec le moniteur que tu as là, tu peux circuler, il n'y a pas de problème. Puis nous, on va avoir quand même le tracé au poste. Et tu promènes sur le département, tu reviens, puis quand tu trouves que c'est trop douloureux, soit on peut te proposer un bain tourbillon à ce moment-là, sinon on peut... L'équipe médicale est composée de 25 médecins, 9 médecins spécialistes obstétriciens gynécologues et 16 médecins de famille pratiquant des accouchements ou encore des soins à la pouponnière, ainsi que 3 pédiatres. L'unité mère-enfant compte actuellement 30 lits, soit 20 lits d'obstétrique et 10 lits de gynécologie. La pouponnière a quant à elle une capacité de 8 isolettes. Le spectacle Bénéfice est un événement organisé depuis 2007 par les membres du département d'obstétrique gynécologie en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il nous a ainsi permis depuis sa création d'acquérir différents équipements au profit de nos mamans et de nos nouveau-nés. Nous avons ainsi pu acquérir des tables de réanimation de façon à pouvoir intervenir de façon rapide auprès des nouveau-nés, des couvertures Billy Blanket, ainsi qu'un appareil de photothérapie pour pouvoir traiter l'ictère du nouveau-né, des thermomètres, plusieurs petits équipements, un bladder scan, mais aussi des ceintures de télémétrie ainsi qu'un appareil pour pouvoir suivre le bien-être fœtal durant toute l'évolution du travail. Je suis à 38 semaines, ça fait 8 mois et 2 semaines que j'attends ce petit être qui va naître dans ce monde, qui est le mien, et je me sens prête. L'équipe des soins est composée d'une centaine de personnes, infirmières, infirmières auxiliaires et personnel de soutien. Toute cette équipe est véritablement dévouée pour offrir des soins de grande qualité aux mamans et aux quelques 2000 bébés qui naissent chaque année à l'hôpital du Sacré-Cœur. En attendant notre nouvelle unité mère-enfant, nous nous encourageons à poursuivre la mission que l'on s'est donnée de doter le département de l'équipement à la fine pointe de la technologie et ainsi de donner la possibilité aux femmes d'accoucher dans de meilleures conditions. Merci de votre appui.